Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons du reptile des Daras de novembre 2015, mais aussi de l'actualité à venir en ce premier mois de 2016. C'est pour qui les cafés? Non, mais vous voyez pas qu'on travaille là? Ah, excusez-moi, monsieur. Je disais donc que nous allons tout d'abord évoquer le reptile des Daras, qui est une grande bourse reptile dans le nord de la France, regroupant beaucoup d'exposants venant de pays différents. Cette bourse est plutôt conviviale et agréable, malgré le fait qu'on soit nombreux à exposer et qu'il y ait du monde en quasi permanence sur les stands. J'ai pu, comme à mon habitude, parler avec énormément d'exposants, mais aussi de visiteurs venus sur le stand. L'accueil par l'équipe d'organisation était vraiment idéal, bien rodé, et en prime, ils ont même retrouvé ma carte bleue, que j'ai trouvé le moyen de perdre sur le site. Le seul point négatif vient du programme où nous étions nommés normalement l'île aux tortues, mais c'était plutôt remplacé par île aux tortues. Bon, ça gâche un peu la première du stand, mais bon, c'est qu'un détail, donc c'est pas vraiment très très grave. Concernant maintenant l'actualité à venir en 2016, donc nous serons tout d'abord le 21 février, à la Bourse Reptile de Scaudœuvre sur le stand de l'association Dans l'œil du reptile qui évoquera donc les missions de l'association, une présentation des sauvetages ainsi que des conseils pour divers reptiles et plein d'autres choses bien sûr. Après nous serons le 27 et 28 février à Saint-Aquilin-de-Passy pour la Bourse des Crocos avec un stand dédié sur les conseils pour les tortues. Nous reviendrons après le 27 mars à l'Expo Reptile de Waterloo, donc pour un stand sur les conseils pour les tortues mais également accompagné de 4 tortues de l'élevage. Après, nous serons à la Bourse Reptile d'Arras le 26 juin avec un stand dédié au conseil sur les tortues. Bon, bien sûr, d'autres dates pourraient se greffer à celle-là. Donc, nous en saurons plus prochainement avec les inscriptions à envoyer. Donc, il y aura notamment certainement Béville-le-Comte, Béthune, Bordeaux et Sargé-l'Élément de prévu. Donc, on attend de finaliser tout ça pour pouvoir les présenter. Avant de vous laisser vous balader dans le Reptile Day de novembre 2015, je tiens à remercier Céline et Tom qui ont filmé pour vous cet événement. Vous pouvez les retrouver sur le groupe Facebook Reptile Aide et Partage, donc vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je tiens également à remercier donc Alex en YouTube qui a effectué donc le générique audio que vous pouvez entendre en début de vidéo. Donc encore merci à elle et vous pouvez aussi visiter sa chaîne YouTube dont le lien est en descriptif donc de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou encore lors des bourses Mais reptiles. vous leur souhaitez pas une bonne vidéo? Mais vous êtes encore là vous? Laissons-les regarder tranquillement. Bonne Bonne vidéo à vidéo à tous! tous! Que moi, il y a toujours le regard dans le pied.
They're too slowly and Ah, okay. they need the darkness. Je vais
est où là? Il est là, tu l'as pas reconnu? Mais oui, c'est lui.
ancienne, il m'aurait dit une vraie. Et je regarde, j'avais regardé sur la nuit, j'ai dit c'est bizarre, il y a une texture bizarre. Mm-hmm. Mais en fait, je vais voir. Ouais. Thank you.
vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube ou suivre nos actualités sur Facebook, Twitter ou Instagram. Pour d'éventuelles questions, nous sommes disponibles par mail. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Bah, votre travail, monsieur. Non mais sortez !